Merci beaucoup. Alors, aux nouveaux venus, ben, entrez, mettez-vous plus en avant si vous voulez. Je vais vous le dire en français parce que vous n'êtes peut-être pas au courant. Nous chantons ici en franco-provençal, la langue régionale de Savoie et de Suisse en face des patois. Donc, bienvenue peut-être dans une découverte pour vous. 6 mai, Léon Pelle, dans la pièce Yo, l'herbe des caillons, qu'on appelle les boitons. Les caillons, donc les cochons, hein, on mettait les cochons, les boitons. Dior, Stipel, avoué, yo, Daloutin avait les caillons, qu'on râle à. C'est passé sur un caillon, on râle à mon père pour faire de la musique. Et devant Stipel, et en tchouban, et devant louban, il y a des gouttes roses, des jonquilles, des fios. Puis des coups, quand nous c'est l'eau, les piques, les tsos, Venezuela sur louban. Je vais prendre ma view, la voix mais, et puis découler à coque de Sanson qui vit au monde danse. La Sanson s'appelle l'épine dans les fios et l'un dedans, ça vaut de l'eau de Dieu, l'esprit de Saint Olien. L'épine dans les fios et l'un dedans, Olien. Thank you.
Poto, explique à Fou qu'il n'a jamais avoué quel genre de musique qu'il est. Bon, non, on dit qu'il est du ballon franco-provençal. Le ballon, c'est quand nos baïens viennent de Zanga, hein, de Budzi, de danser le ballon, le groove, on pourrait dire. Ah, d'accord. Ouais. Qu'il a le rythme. Hein. Mm-hmm. Et pour ça, la musique qu'on joue avec les instruments acoustiques, elle est à la zone. La contrebasse, la viole, la guitare, la taborne, la percussion ou les batteries, et la fiotte, les flûtes et le sax, ça c'est bien. Mm-hmm. Et on te sente. Donc on aime bien les musiques, bon, ça qu'on est en beaucoup des vins de monde différents dans la musique, mais si tu avoir la musique du Brésil, le rock'n'roll, le Brésil, hein, le rock'n'roll, assez bien le reggae. Le tabornar, du vie en mouille avec l'Afrique, donc du vie des rythmes d'Afrique, etc. Le coq à la fiotte, le Thibaut Martinet, du vie pieux du jazz, le tabornar, le Romain Magnana, veut dire le nom à Tsakon, hein. Puis le manuvet qu'elle a zone, Adam à la contrebasse, va à ce moment mouille du jazz et des musiques en bocant d'oriental, etc. Mm-hmm. Puis on mèche en bocant toutes ces manières de faire. Mais on aime bien quand ça bute. Un patois, yo, c'est ou. Hein? Donc yo, 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 ou. Yo sont les trésors qu'on va bailler à nos enfants. Si on veut or à la nature que mêlait à vos mouilles le matar à pétrole, comme on vaudeur le plastique, hein, la matière en pétrole, le matar à pétrole. Dans les grands tagoy et tossins, les embocants, fin de la cousin. Cette chanson s'appelle yo, yo, yo. Thank you.
Donc, tout, tu fais une mélodie, mm-hmm. et puis tu as les paroles, et puis après, tu rends les mains, tu as tes instruments, tu fais métal. On fait avec la troupe, voilà. D'accord. Mais il fait toutes les chansons en poudre, sans les aillons, sans les habits, hein, sans les aillons. D'accord, on fait la chanson, puis avec ma viole, fait les paroles, la mélodie. Et puis après, avec la troupe, on va faire les arrangements. Ouais. D'accord. Pour mettre ça, du moment qu'on fait quelque chose avec le patois, qu'il y a de son temps patois, pour mettre ça en la langue qu'elle est vivante. Mm-hmm. Pour ça qu'on fait en atsous, style et zol, et on a manière de faire que la langue est vivante. Mm-hmm. Les zans en atsous. Après, il y a un mouille de zans qui s'intéresse à ce qu'on fait, qu'il n'y aurait pas Emadzena, que ça pourrait intéresser à tant de zans. Donc on va vers, mais on ouvre pour que pour Betal ou Patoine. Le chiot, si l'union fait là est un foutu à veau et refait après au bal là est refait. On pense qu'il y avait quand on a trop aussi. Ah oui, on a trois formes. On a trois formes polygonales, on pense. Tout dieu l'oignon, mais de dieu la rave. La rave. Ouais. Belle. Belle bol. Ouais. Ouais. Et non mais vous connaissez pas dans les lèvres d'architecture, il y en a que dans l'arabe et puis il y en a que dans l'oignon. Moi je fais l'oignon mais il est pas possible. Ouais. Il y a typiquement savoyard. Quand la Savoie est devenue française, il fallait que devance complètement française. Ah oui, ah oui. Il fallait prédire langue française, il fallait avoir de tradition langue française, musique comme le français. Parle toi comme un loup français. Ils ont pas gardé. Nationalisme en fait. Ils ont pas gardé loup régent qui était d'acteur. Ils ont fait venir de régent français. Ah, ouais. Colonisation. Oui, il y a la colonisation. Non, mais ils disent, bon, non, mais ils sont pas bien français, on est le transforma, faire le vrai français. Oui. Il n'est pas possible de faire le français avec des raisins qui prennent de savoyard. Il faut les débarbouiller. La langue de la Savoie avant la colonisation française, c'était quand même le français, la langue officielle. Il y a une scène célèbre, il y a un général, après l'annexion qui est archue par Napoléon III, il y a une grande réception. Puis il y a une dame qui a demandé à un Savoyard, au général Savoyard, mais devant que d'être français, quand à l'Inwa, vous prédivez. Et puis elle a dit, devant d'être français, on ne préside pas. Devant d'être français, on ne préside pas, on ne parlait pas. On ne parlait pas. Ouais. Quelle langue français, vous parliez avant d'être français parlait... Ben on ne parlait pas. Ah non, on ne peut pas savoir. Non, on n'a pas un secret. Ouais, il y avait des mots de vin qui présivent en savoyard, français, piemontais, italien. Il y a l'avant à Turin, François Vin. Il n'y avait pas cette idée, on nomme dans l'Inwa. Oui. Il n'y avait pas cette idée. Crie tout pas que la majorité irait par là et savoyard quand même. Ah ouais. À Tonon, 1920, les avocats, les docteurs, tout le monde chou, prédivent pas toi. Hein. Il y a ceux. Ah ouais, 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 ouais. Oui, oui, il y a ça, ça. 1920. Oui, oui. À la fin de la Première Guerre mondiale. Ouais. 20e siècle. Oui. Et puis, en 1960, le sous-préfet de Tonon est alors et vit Totlikmoun. Et puis elle est allée à un conseil. Et quand elle est allée à Balavo, nous Balavos n'étions pas contents. Alors, ils ont prédit tout un patoué pendant tout le conseil. Et puis quand elle est sortie, le sous-préfet, qui était Henri Beau, leur a dit Harvey, moi, mon chou, des tout compris. L'air en savoyard. Ouais. Parce qu'il parlait le patois. À l'air en savoyard jacobin. Ah ouais. Henri Beau. Ah ouais.
Et ça avait des mauvaises de choses sur la Saoué, ouais. Mais l'air contre la Saoué, finalement, oui, oui, oui. La culture hein, la Saoué. Par l'homme, Mans le en visitant l'église de Brou et te parlant. La reine de France, la reine de France, la reine de France. Le Brou. Brou, à Bourg-en-Bresse. On est à visiter après le. Qui était la vol la Savoyarde. Oh, yeah. Et il y en a 15 ans en dedans, c'est à la visite. 2 heures, la reine de France. Puis de le Dieu. Il y a eu qu'elle après le soupe fort l'église. Ah ben, ah oui, son mari. Oui, qui était son mari? Ben, il était en Savoie. Alors, des dieux, vous n'avez pas parlé de la famille de Saoué. Elle s'est en colère. Eux n'en ai entendu. Pas un mot sur les Savoies. Elle ouais. Est en Savouillard, ma. Eh ben, Savouillard oui. Contre la Savouille. Et il y a les lettres entrelacées du mari et de la femme. Et jamais une fois, elle a dit le nom de celle qui est devenue reine de France après, quand elle a été veuve, parce qu'elle s'est remariée. Et peux-tu dire que Teïta a toujours pris du succès ou des réactions du monde? Ben, c'est pas son pour deveuse de succès, mais des réactions. Ah, les ennuis de zinc, un premier vont acheter à la musique. Puis ça ne va pas qu'on te sente en patois. Puis des coups craillent qu'on te sente en espagnol, en italien, en allemand, qu'on ne connaissent pas. Puis après, ils vont dire « Ah, mais elle est intéressante, elle est le patois. » Et puis à ce moment, ça le... Comment... va les faire mousa, penser à mousa, à leur propre racine. Puis ils vont se dire « Ah, mais des coups, on ne savait même pas qu'il y avait en allemand, devant le français, puis qu'il y redéfendia, etc., etc. » Ça veut dire que véritablement, elle a un intérêt des gens, ils miment des jeunes ou des gens de 20, 25 ans, des jeunes pour le patois. Mm-hmm. Et puis, il n'y avait pas un mazena. Alors, comme vous voyez, le patois peut être un bon rock, mais hein, peut être tout d'eau à ce bain. La chanson qui vient s'appelle Siro de Via. Des coups, il y a des gens qui sont comme des sirops, tout d'eau. Hein. Pour Berthe, ils ont un beau camp. Mamonzo, beau titre, la bouteille, les voisines, et à ramener le sirop. Sirop de vie. Saint-Mont,
ouais, nana de ce nana, mais tu ne comprends pas, je l'en ai pas pêché. C'est lui qui ne veut que piove, que fasse un offre, car ce que c'est, ou bien aussi les épreuves. De ouais, nana de ce nana, mais tu ne comprends pas, je l'en ai pas pêché. C'est lui qui ne veut que piove, que fasse un offre, car ce que c'est, ou bien aussi les épreuves. Tant d'année, que tu as dit à ouais, mais vous aïe sont à dire à votre ma viola, ma viola, ma viola, ma viola, ma viola, ma viola. Sonana de sonana, mais tu ne vaux brie ma jolana ma pas pêché. Tu ne vis que neve que pieuve que fasse un afroca ce que c'est ou bien on su les épreuves. De un sonana de sonana, mais tu ne vaux brie ma jolana ma pas pêché. Tu ne vis que neve que pieuve que fasse un afroca ce que c'est ou bien on su les épreuves. Samouillard à ce bain qui nous a à ce bain invitable. Hein. Puis un grand merci pour nous avoir adjuta. Merci, bonne affaire de belle. Et pour que vous ayez vos éolures, un concours au bric-à-brac, ma cause sur un sur Malaï. Et un pour vous. Un grand merci. Un grand merci. Vous êtes des bons musiciens. Donc, à toi, la latence d'avoir votre musique. Un grand merci. Un grand merci. Tu te connais, tu parles d'autres langues, hein? Tu parles au portugais. Le portugais, bon, il est recordé l'italien, l'écoute, la sebanque, puis de vous à. Abastanza. Pas banadré, mais. Puis me dévorteille en italien, à sebanque, l'anglais, le tuc, et puis à sebanque, l'espagnol. Il y a me ban les langues, et on a le souci que me. Qui me donne la couette pour recorder. Ouais. Et puis, comme un wang, il peut être dans les. Il aime d'autres wang. Bah, déjà que l'on a langue qui vient du latin,
des choses qu'on peut reconnaître. Entre l'italien, le portugais, il y a des choses qui sont beaucoup les mimes. Ce ne sont pas véritablement les mimes, mais on peut reconnaître. Puis il y a seulement pour 100 ans, on a langue qui va bien. Pour 5 ans, on a langue qui est en moins de voyelles. Hein. Parce qu'on a langue qui est ouverte. Puis il y a deux rythmes à ce moment. Pour moi, on a une langue qui est bengalaise à 100 ans. Ouais. Mieux que le français. Bien mieux que le français. Ben, par exemple, pour dire l'or, en français, il y a le « r » qui va au « b » du mot. Pour nous tromper à toi, on dit « l'or ». Les plus simples à 100 ans, « l'or » que « l'or ». Il est en moins de choses dans ça. Eh bien, te remercio et puis nous viens chez faire et nous t'enregistrons probablement quand tu vas venir à Xavier, je vais oui, et puis nous verrons, et bien, nous te souhaitons un franc succès. Ben, un grand merci Luzac, puis un grand merci à Radio Arpitania ce bain, puis on a bon journal. Merci, à toi. Un grand merci, à toi.